Ouais, vous êtes bien sur le portable de DJ Lusitano, veuillez laisser un message. Après votre message, vous pourrez le modifier en tapant 1. Ouais, Lusitano, c'est moi, Driking. C'était juste pour savoir si t'as fini ma prod pour l'intro. Moi, j'ai fini le texte, là, c'est bon. On a plus qu'à aller en studio poser ça. Ça m'a bien inspiré. Comme pour ma chronique de nos jours. C'est que l'état actuel de notre société me laisse songeur. Ça n'empêche pas de rester fidèle à mes principes. Fier des valeurs qu'on m'a transmises et tout ce qu'elles suscitent. Mes qualités, je les dois à mon père et à ma mère. Ouais, je le répète, je dois beaucoup à ma mère. Pour tout ce qu'elle a souffert à cause d'un destin parfois amer. Demande à Red Sam ce qu'est une mère seule au foyer. Il va te répondre comme moi que pour elle c'est dur d'assumer loyer. Je suis noyé dans le hip-hop, ça fait un moment que je baigne dans le rap. Des rimes lourdes, pas en bilingue, ça c'est ma force de frappe. N'importe lequel de mes sons percute. Si t'as un doute là-dessus, écoute le maxi, après on en rediscute. Merde, toi, ta sale morale à la con et ton soi-disant code de l'honneur. Balance jamais tes potes, quoi qu'il puisse arriver. Alors va te faire foutre, va chier avec ta rue, ton univers, il est minuscule et y'a qu'une loi, chacun pour ses fesses. Chacun pour ses fesses, chacun pour ses fesses. De nos jours, hélas, y'a plus grand chose qui tourneront. Et ça risque d'empirer dans les prochaines pages que nous tournerons. Nul n'est satisfait, tout le monde se plaint, regarde les grèves. C'est ceux qui en foutent le moins qui veulent avoir le plus de trêve. Y'a encore pire, tels ceux qui espèrent le décès d'un proche. Pour pouvoir s'assurer rapidement que l'héritage ils empochent. Plus rien ne me surprend dans cette société de barge. Dans laquelle plus je prends de l'âge, plus je rencontre souvent de drôles de personnages. Personne comprend pourquoi tous les jeunes se pètent à l'alcool. On leur promet une bonne vie future, pour l'instant je vois pas laquelle. Trop de différences sociales et d'exclusion raciale. Des lits sales gueules, apprendre dit qu'il n'y a pas de discrimination. Injustice dans le soi-disant pays de la justice. Des politiciens complices à leurs juges qui ont les mêmes vices. De nos jours, c'est tape à l'œil et matérialisme. Plus égoïsme égale des gens qui virent à l'égocentrisme. Tout dérape très vite vu que tout devient virtuel. Par les temps qui courent, même les vraies amitiés sont occasionnelles. Ouais, car jalousie à l'excès et fausse solidarité. On tend la main mais dès que tu tournes le dos, on cherche à te planter. Y'a trop de traîtres dans toutes les zones, dans tous les quartiers. Si surgissent des envies autour de toi, surtout écarte-les. Compte sur personne pour t'en sortir, faudra que tu te battes seul. Sache que de nos jours, c'est tous pour soi, chacun pour sa gueule. La société est en pleine perdition, en décadence. Tout le monde veut faire sa place mais y'en a de moins en moins qui avance. Époque de fou dans laquelle faut lutter et vaincre seul. De nos jours, c'est chacun pour soi, tous pour sa gueule. Cette société est en pleine perdition, en décadence. Tout le monde veut faire son trou mais y'en a de moins en moins qui avance. Époque de dingue dans laquelle faut lutter et vaincre seul. De nos jours, c'est tous pour soi, chacun pour sa gueule. Chacun pour ses fesses. Chacun pour ses fesses. La prostitution côté client signifie souvent adultère. Les ados font tourner des gosses en vente et jouent les adultes fiers. Des malades prêtent leurs femmes à d'autres dans des clubs échangistes. La seule justification qu'ils donnent c'est que les temps ont changé. De nos jours, de voisins se croisent sans se dire bonjour. Garageurs, ils portent en eux la haine pour toujours. En un rien de temps ça peut dégénérer et devenir tragique. T'as plus grand chose à perdre quand ton salaire ne dépasse pas le smic. Juste alcoolique, pour eux c'est juste une grosse dépression. D'énormes complications auxquelles ils trouvent aucune solution. Y'a même plus de socialisation, à force j'en perds mon latin. Où en arrivera-t-on, c'est la question que je me pose chaque matin. De nos jours, on me dit que l'anglais est indispensable. S'il est devenu, c'est une conséquence du capitalisme mondial. Ouais. En fait, c'est de l'argent dont personne peut vraiment se passer. Même ceux qui en ont beaucoup se plaignent de ne pas en avoir assez. Et que dire de ces mômes qui taffent à l'autre bout de la planète? Faut pas être dupe, on sait tous que c'est l'Occident qui les exploite. Tristesse. La mondialisation pour eux est-elle bénéfique? Pourquoi défendre cette globalisation comme des hypocrites? Je fais ma chronique, c'est presque un article microphonique. Ce monde dans lequel tout va en se dégradant, j'en fais ma rubrique. D'accord, c'est aucun remède miracle que je vais apporter. Mais j'attire l'attention sur notre façon de nous comporter. La société est en pleine perdition, en décadence. Tout le monde veut faire sa place mais y'en a de moins en moins qui avance. Époque de fou dans laquelle faut lutter et vaincre seul. De nos jours, c'est chacun pour soi, tous pour sa gueule. Cette société est en pleine perdition, en décadence. Tout le monde veut faire son trou mais y'en a de moins en moins qui avance. Époque de dingue dans laquelle faut lutter et vaincre seul. De nos jours, c'est tous pour soi, chacun pour sa gueule. La société est en pleine perdition, en décadence. Tout le monde veut faire sa place mais y'en a de moins en moins qui avance. Époque de fou dans laquelle faut lutter et vaincre seul. De nos jours, c'est chacun pour soi, tous pour sa gueule. Cette société est en pleine perdition, en décadence. Tout le monde veut faire son trou mais y'en a de moins en moins qui avance. Époque de dingue dans laquelle faut lutter et vaincre seul. De nos jours, c'est tous pour soi, chacun pour sa gueule. Ça se trafique ces trucs qui sortent les phrases de leur contexte. C'est pas croyable que tu sois aussi naïf. Au revoir Dave, t'as un bel avenir devant toi. Um homem, uma vida, uma voz, um rosto, um rosto.
saurai jamais d'où je viens. Tout ce que ma famille m'a inculqué, je me souviens des phrases de mon père, sur lui j'ai décalqué. Filho, on espère qu'un jour tu deviendras quelqu'un. Voilà ce que lui et ma mère me répétaient dans n'importe quel cas. Depuis y'a eu plusieurs chapitres, faut tourner les pages. Putain ce que le temps a passé vite, j'ai déjà 24 piges. Et à chaque anniversaire de plus que je commémore, c'est toutes les valeurs transmises par mes proches que je me remémore. Celles qu'on trouvait autrefois au bled, plus aujourd'hui. Désormais c'est l'Occident capitaliste qui nous guide. Je prétends pas que je les ai toujours appliquées à la lettre, mais au moins j'ai essayé car c'est ça ma raison d'être. On m'a élevé avec ses valeurs lusitaniennes, mais la France les a étouffées, résultat parlons de ma haine. Changement de comportement, divorce de mes parents. Donc est-ce leur éducation que je suis ou celle de mes grands-parents? Fidèle à mes principes et à ces valeurs qui me caractérisent, elles se reflètent dans mes faits et gestes, c'est ce que mes proches disent. Capable du meilleur comme du pire, ça j'en suis conscient. Derrière le micro je me lâche vraiment, c'est mon confident. Mes principes sont ces valeurs qui me caractérisent, elles se reflètent dans mes faits et gestes, c'est ce que mes proches disent. Capable du meilleur comme du pire, ça j'en suis conscient. Derrière le micro je me lâche vraiment, c'est mon confident. Combien de larmes j'ai pu verser, combien d'événements m'ont bouleversé, combien de personnes j'ai pu faire souffrir et vice versa. Ai-je toujours fait les bonnes actions au bon moment? Ai-je toujours eu les bonnes réactions dans mon comportement? Dans ma culture, tu donnes sans rien espérer en retour. T'es jamais redevable car t'es un homme mais pas un vautour. Faut jamais te vanter de bons actes que t'as pas fait, et surtout jamais critiquer sur des rumeurs non fondées. T'entends? Les miens m'ont appris et transmis le respect d'autrui, donc j'en donne aussi certes, mais pas envers ceux qui m'ont trahi. Evident n'est pas toujours comme on aimerait qu'elle soit. J'ai pas grandi dans la soie, ça n'empêche pas d'avoir la foi. Les principes, faut toujours rester fidèle aux siens et prêter attention à tout ce que nous racontent les anciens. Dans ce pays, j'ai choisi de cultiver mes racines, mes origines, et ce au détriment de leur sale combine. Fidèle à mes principes et à ces valeurs qui me caractérisent, elles se reflètent dans mes faits et gestes, c'est ce que mes proches disent. Capable du meilleur comme du pire, ça j'en suis conscient. Derrière le micro je me lâche vraiment, c'est mon confident. Mes principes sont ces valeurs qui me caractérisent, elles se reflètent dans mes faits et gestes, c'est ce que mes proches disent. Capable du meilleur comme du pire, ça j'en suis conscient. Derrière le micro je me lâche vraiment, c'est mon confident. Nunca vou mudar, a minha cultura não vou trocar. Respeita a lei, sempre fiel a ela vou ficar. É natural, para um filho de imigrantes de Portugal, mesmo que isso já me tenha causado tanto mal. Tanta intolerância neste maldito país da minha infância. A minha gente nunca foi respeitada aqui em França. Para eles não existimos, para eles não temos peso, e em tudo o que fazemos olham para nós com desprezo. Nunca tive vergonha na minha identidade, na minha família aprendi valores com dignidade. E são esses mesmos que eu nunca vou deitar fora. Esta é a melhor forma de escrever. Et à ces valeurs qui me caractérisent, elles se reflètent dans mes faits et gestes, c'est ce que mes proches disent. Capable du meilleur comme du pire, ça j'en suis conscient. Derrière le micro je me lâche vraiment, c'est mon confident. Mes principes sont ces valeurs qui me caractérisent, elles se reflètent dans mes faits et gestes, c'est ce que mes proches disent. Capable du meilleur comme du pire, ça j'en suis conscient. Derrière le micro je me lâche vraiment, c'est mon confident. À mes principes et à ces valeurs qui me caractérisent, elles se reflètent dans mes faits et gestes, c'est ce que mes proches disent. Capable du meilleur comme du pire, ça j'en suis conscient. Derrière le micro je me lâche vraiment, c'est mon confident. Mes principes sont ces valeurs qui me caractérisent, elles se reflètent dans mes faits et gestes, c'est ce que mes proches disent. Capable du meilleur comme du pire, ça j'en suis conscient. Derrière le micro je me lâche vraiment, c'est mon confident. C'est pour nos mères, pour toutes les mères seules au foyer. Un grand respect. Ouais. Mainzing, je tenais à faire au moins un morceau pour toi. C'est bien peu comparé à tout ce que t'as fait pour moi. Tu fais partie de ces mères courage qui sacrifient pour leurs gosses. À travers toi, je rends hommage à toutes les mamans portos. Portent tout leur espoir en leur rejetons, sans jamais les rejeter, ce quel que soit le chemin qu'ils emprunteront. J'ai emprunté la voie du son, celui des déshérités. Pour tout ce que t'as pu m'apporter, t'as jamais démérité. Au contraire, t'as témérité, tu peux en être fier. Tellement t'as lutté pour qu'on manque de rien, moi et petit frère. Je te demande pardon d'avoir si mal agi à ton égard. Toutes les fois où par ma faute, les larmes ont taché ton regard. J'ai commis des erreurs pour certaines presque irréparables. Le cœur d'une mère quant à lui est à jamais irremplaçable. Grand point faible de l'homme qui laisse toujours dans ses insultes. Car ces femmes qui mettent au monde, c'est d'elles que l'homme résulte. Nos mères, elles seules peuvent supporter nos caprices et nous remonter le moral même dans les moments les plus tristes.
Red Sam, nos mamans ont bien plus d'un point en commun. Seul au foyer, deux femmes qui ont dû prendre leur destin en main. Nos mères, y'a qu'elles pour supporter nos caprices et nous remonter le moral, même dans les moments les plus tristes. Red Sam, nos mamans ont bien plus d'un point en commun. Seul au foyer, des femmes qui ont su prendre leur destin en main. T'es l'héroïne d'un film, non y'a pas de téléspectateur, pas de caméra, pas de doublage, pas d'autres prises, pas de droit à l'erreur. T'as su être un as, quand le divorce t'a laissé des traces. Un as au féminin, qui a su s'imposer avec audace. T'as su être la reine d'un royaume, qu'on ne trouve pas dans l'Atlas. Tes frontières sont l'amour, tes enfants, et royaume tient bien en place. T'as su être cette dame au sein de gloss, toujours forte face aux épreuves. Aucune fausse manœuvre, toujours lucide, même quand les soucis t'as pleurent. T'as pas de valet à qui demander de l'aide, encore moins à qui te confier. T'as tellement essuyé de trahison, t'as dû te méfier pour mieux défier. T'as fait Ken Flush quand tes adversaires croyaient que tu bluffais. Maintenant faut que tu ramasses la mine, mérite car t'en as tant fait. Abandonner tes rêves de jeune fille dans le but que nos rêves se fassent. Alors on se doit d'y arriver pour toutes ces souffrances. Pour ton courage et de l'admiration, je remercie ton éducation. Avec toi j'ai manqué de rien et surtout pas d'affection. Nos mères, elles seules peuvent supporter nos caprices et nous remonter le moral, même dans les moments les plus tristes. Red Sam, nos mamans ont bien plus d'un point en commun. Seul au foyer, deux femmes qui ont dû prendre leur destin en main. Nos mères, y'a qu'elles pour supporter nos caprices et nous remonter le moral, même dans les moments les plus tristes. Red Sam, nos mamans ont bien plus d'un point en commun. Seul au foyer, des femmes qui ont su prendre leur destin en main. Elles vivent de RMI, de pension alimentaire ou même de rente. Je les respecte du fond du cœur, je vois quoi leur destin s'apparente. Femmes divorcées, séparées, abandonnées ou même veuves, j'admire votre patience. Le courage, on vous fait preuve. Premier mot qu'on prononce, mot magique, celui de maman. Pour celle qui nous soutiendra dans tous nos choix à tout moment. Son seul sourire suffira à remplir nos cœurs de bonheur. Pas de personne plus importante, je plains tous ceux qui ont perdu la leur. Je les vois taffer en usine et elles font pas ça par choix. Moi pour un taf, je fais mes chichis. Alors que dans le scolaire, j'ai échoué. Je suis écœuré quand je vois une femme qui se prostitue. Sous prétexte qu'elle a pas le choix. Elle en a autant que dans mes prostituées. T'as beau faire ton costaud, tu penses comme moi, même si ça te plaît pas. Tu sais bien que c'est elle qui t'a guidé dans tes premiers pas. Dis-lui que tu l'aimes, démontre-le, éprouve-le en sa présence. Si tu ne veux pas que son absence cause souffrance à ta conscience. J'en vois trop plein dans des tas si durs, qui triment, issus et qui si tuent. Je les admire et je veux que leur dignité on restitue. Quand certains contemplent des temps, c'est faute de courage que je contemple. C'est une femme que j'ai pour exemple. Beaucoup de mérite pour ces jeunes mères qui élèvent toutes seules leurs mômes sans la présence du père, mais parviennent à assumer leur rôle. À elles ainsi qu'à toutes les autres, je viens dédier ce morceau. À commencer par la mienne à laquelle je tire mon chapeau. Nos mères, elles seules peuvent supporter nos caprices et nous remonter le moral, même dans les moments les plus tristes. Red Sam, nos mamans ont bien plus d'un point en commun. Seul au foyer, deux femmes qui ont dû prendre leur destin en main. Nos mères, y'a qu'elles pour supporter nos caprices et nous remonter le moral, même dans les moments les plus tristes. Red Sam, nos mamans ont bien plus d'un point en commun. Seul au foyer, des femmes qui ont su prendre leur destin en main. Nos mères, elles seules peuvent supporter nos caprices et nous remonter le moral, même dans les moments les plus tristes. Red Sam, nos mamans ont bien plus d'un point en commun. Seul au foyer, deux femmes qui ont dû prendre leur destin en main. Nos mères, y'a qu'elles pour supporter nos caprices et nous remonter le moral, même dans les moments les plus tristes. Red Sam, nos mamans ont bien plus d'un point en commun. Seul au foyer, des femmes qui ont su prendre leur destin en main. Ouais, Riquinho, DJ Lusitano, 7-7. Un son qui percute. Y'a tellement de choses qui me dépassent et autant d'autres qui me déplaisent. Bien en place, j'aime faire face à tous ces jaloux qui me détestent. Toujours droit, rien ne me fera changer le discours en cours de route. Ni jamais trahir mes choix et ça même en cas de déroute. J'suis de ces métèques qui brandiront jamais le drapeau tricolore. Pour les miens, j'suis trop conscient, pour les leurs, j'suis trop hardcore. J'suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait subir à nos parents. Mon vrai bled, c'est celui dans lequel j'me rends une fois par an. Ça me fait marrer tous ces MC qui se prennent pour le parrain et m'étonnent tellement dans leur face qu'ils ressemblent plus à Raffarin. J'me réfère bien à tous ces putains de faux qui ont introduit le mouvement en pensant que lui pote n'est qu'un nouveau produit. J'suis venu pour dire à ces pourris qu'aujourd'hui à 25 piges, j'les corrige tous, tous mes freestyles attestent en cas de litige. Retiens mon blast car tu me verras jamais à la télé. J'suis tellement studieux quand j'écris qu'on pourrait m'appeler l'intello. Riquinho, 7-7, Lusitano fait leur plus scratch, tu m'y suffis. Ouais, DJ Lusitano. Allez encore. Un son qui percute. Deuxième couplet aussi fort que le premier, je rétrograde. Je reste sur mes gardes face à ces gars qui se mêlent de ce qu'ils les regardent. Le regard froid, mais c'est pas pour autant que je n'ai pas la foi. Sans bafouer, je rappe sur les thèmes que je kiffe et le reste, je m'en fous. I don't speak English, mais je ris moins pour tout gage. Pour que au caro à cabar, comme ça merde, douche cliché. Sauf d'aquel je cloute en parle, qu'un sarèche sous et je mettes. Mais je n'ai contre, je sois agarre ou
soutiens cette grande minorité qui n'existe pas. En France n'a aucun poids et surtout me demande pas pourquoi. Je m'en tape moi, ça ne m'empêche pas de rapper dans ma langue. MC bilingue, toujours plus fort car j'ai les dents longues. Je veux aller loin et bien représenter les miens au plus haut. Même si de nos jours l'ambition c'est presque comme un fléau. Demande à Lusitano si on se bat pas dans l'underground. Soit tu respectes ou bien tu peux être sûr qu'on rentre dedans. Rikino, 7-7. Vas-y, Lusit, fais leur tes scratch qui les stupides. Ouais, DJ Lusitano. Allez encore. Un son qui perce plus. Plus le temps de regarder dans les rétros, donc je passe la cinquième. Et je serai là à l'arrivée pour ceux qui m'attendaient, s'inquiètent. Je suis sincère quand je dis rapper avant tout parce que j'aime ça. Je dédicace à ma team, DJ Lusitano, Red Sam. Ainsi qu'à ceux qui nous écoutent et soutiennent depuis le début. Maxi est d'abord pour eux, je pense pas qu'ils seront déçus. Ce que je refuse, c'est de prêter attention aux autres langues de pute. Tu pars toujours dans nos dos, mais devant ils nous félicitent. Ma life, c'est tout gâteille, mes 3-7-0 Nango Star. Jamais je me volerai la face si je suis pas prêt de jouer ma star. Conscient de l'impact que peut avoir chacune de mes rimes, donc je me démène. Afin qu'on me dise pas que je démérite. Je compte sûrement pas sur la chance pour parvenir à mes fins. Le rap c'est comme une course de fond ou même une course de F1. Je connais le parcours par cœur comme un conducteur de bus. Drikino est au niveau, ce morceau est une preuve de plus. Drikino, 7-7. Vas-y, visite, fais leur tes scratch qui nous Ouais. DJ Lusitano. Allez encore. Un son qui perce. Ouais. Sale morale à la con et ton soi-disant code de l'honneur. Balance jamais tes potes, quoi qu'il puisse arriver. Alors va te faire foutre, va chier avec ta rue, ton univers, il est minuscule et y'a qu'une loi, chacun pour ses fesses.
race, de leur contexte. C'est pas croyable que tu sois aussi naïf. Au revoir, Dave. T'as un bel avenir devant toi.
Riquinho, Illusitano, sous pression mec, pour Giclo Prod. 1-1-1-3-7-0 Nango Star, spécial pour Mirza, 2004-2005, un son qui vient tout droit de Seine-et-Marne. Sous pression depuis l'adolescence, ça s'empire chaque jour. Peu de choses positives, pourtant je transpire dans mon parcours. Pour trop de jeunes, la même appelle-nous génération maudite, qui manque de perspective ou tout simplement sans réussite. Sous pression depuis que les fachos se manifestaient, haine raciale, violente, ces enculés de merde n'ont qu'à me tester. Ici y'a trop d'injustice, par contre y'a très peu de justice. Ça s'assiste Clément avec Alain Juppé, ses gros fils. Conscient, même en freestyle, mais ceux qui me connaissent déjà le savent. Chaque thème que j'exploite part de lui-même car j'analyse grave. Je respecte toujours ma devise, le bled est ma terre promise. Peu de respect pour nos parents, les tricolores nous l'ont promise. Sous pression à cause de tous ces faux qui ont introduit le rap. Ou de ces jeux pour qui se distritent et mériteraient qu'on les frappe. Je vise personne, si tu sens que je parle de toi, c'est que t'es susceptible. Si ma bite, t'as pas compris que tout a un prix dans cette vie. Tout ce que je dis, c'est ce que je vois ou ce que je suis. Car j'ai pas bac plus 10. Non, non, mais malgré ça, moi aussi je m'instruis. Le rap plus qu'un passe-temps, ma passion, je vis passant. Je réponds à ceux qui me bavent dans le dos par des lyrics agaçants. Mes couplets interminables sur des sons que je trouve excitants. Je réfléchis plus qu'un entraîneur qui perd à la mi-temps. Trop de mythos dans ce milieu, trop d'MC ennuyeux. Trop de mecs bien trop sur dos, donc à tous, je trouve que je fais mieux. Pour moi et ceux qui m'entourent, pour tous les jeunes des faubourgs, pour tous ceux qui luttent chaque jour. L'étau se resserre pour toute une génération, une grande partie de la nation, jeunesse en ébullition. L'étau se resserre pour moi et ceux qui me côtoient, notre chance on ne la voit pas, pourtant on baisse pas les bras. L'étau se resserre pour toute ma génération, une bonne partie de la nation, l'État nous met trop de pression. L'étau se resserre pour moi et ceux qui m'entourent, pour tous les jeunes des faubourgs, pour tous ceux qui luttent chaque jour. L'étau se resserre pour toute une génération, une grande partie de la nation, jeunesse en ébullition. L'étau se resserre pour moi et ceux qui me côtoient, notre chance on ne la voit pas, pourtant on baisse pas les bras. L'étau se resserre pour toute ma génération, une bonne partie de la nation, l'État nous met trop de pression. Ouais Red Sam, c'est toi qui as ouvert le bal pour la connexion France-Portugal. Ouais, je l'ai ouvert. Maintenant c'est à toi de le conclure. T'as un petit truc ou quoi? Moi? Écoute ça, primo. Un morceau de plus, ah ouais, pour exprimer tout ce que je ressens. Le rap comme seul échappatoire pour moi c'est pas récent. Si on insinue que je suis paresseux, je peux pas l'accepter. Impossible quand t'es porto ça 100% mon sacrifice. Dans ma culture se transmettre père en fils. Quand on nous rabaisse à cause de ça, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? On est venu ici afin qu'un jour nos rêves s'accomplissent, je te le dis d'office. Moi j'ai cessé de me voiler la face. De temps en temps j'ai la chance de retourner au Portugal, alors que tant d'enfants d'immigrés n'ont vu leur pays que sur des cartes postales. Sans plaindre, c'est une meilleure vie que je postule. Je me bouscule afin qu'un jour mon destin bascule. Tout ce que j'entreprends, je me dépense, je suis un vrai battant. Et je lutte pour réussir, mes parents m'ont pas élevé en me gâtant. Tout n'a pas toujours été simple depuis mon enfance. Demande à mes proches pourquoi ils ont atterri en France. Un grand merci à ceux qui ont tout fait pour les aider, les accepter, respecter sans aucun préjugé. C'est au fond d'eux que je puise mon inspiration. Et dans ces immigrés au quart de séjour qui arrivent à expiration. Vas-y Driquinho, on m'a dit t'avais un petit truc là en ta langue là, ouais. Un petit paragraphe là. Vas-y balance, balance. Ouais bien sûr, obligé connexion entre mes deux bleds. Écoute ça cousin. Dans ce morceau, by toi d'Aminga, ma Lusitaine. Sport DJ Bomber Jack et DJ Lusitaine. Freestyle connexion, français pour tout gars, le meilleur rap de ces deux nations. À écouter sans modération. Dans ce morceau, by toi d'Aminga, ma Lusitaine. Sport DJ Bomber Jack et DJ Lusitaine. Freestyle connexion, français pour tout gars, le meilleur rap de mes deux nations. À écouter sans modération. Oui, sans ça, t'as mes rimes, la lingua de Camões. Porque é o peixe dos meus pais que representam o Império Escalões. Lá baixo até posso ser estrangeiro, mas serei sempre português até morrer. Sou verdadeiro. Nunca esqueço o passado, mas vivo no presente, para que o meu futuro seja melhor daqui para frente. Eu enfrentarei tudo aquilo que se apresentar a mim. Nunca desistirei, lutarei sempre até ao fim. Sou capaz de tudo, do melhor como do pior. Estou atento e pronto para o que der e vier. As vitórias com dificuldades têm muito mais sabor. Hei de conseguir todos os meus objetivos se Deus quiser. A vida tem altos e baixos, sucessos e fracassos, obstáculos inesperados, mas eu ultrapasso-os. Porque ainda é cedo para baixar os braços. Daqui mando um grande abraço para quem me tem apoiado nos meus passos.